the other night. As I lay sleeping, oh, I dream I held you. Held you in my arms. Oh, but when I woke up this morning, I found out I was mistaken. Incomplète et chaotique, en particulier les femmes qui aujourd'hui sont à 28% à travailler jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Tout ça, dans une Lorraine qui compte déjà 17 879 chômeurs de plus de 50 ans. Vous ne croyez pas que la priorité serait déjà de leur donner du travail jusqu'à 60 ans à eux. Les mesures de cette réforme visent essentiellement à faire des économies. 85% des efforts sont demandés aux salariés. Des économies qui sont en paix. Une part de la facture de la crise globale que l'on demande aux salariés de payer sur le dossier retraite. Les fonctionnaires se voient imposer une augmentation drastique de leurs cotisations, conduisant à une baisse de leur pouvoir d'achat. Les entreprises, les hauts revenus, les revenus du capital, sont eux, cinq fois moins mis à contribution que les salariés. La crise, c'est eux, et la facture, ça serait pour nous. Eh bien, non ! Pour que les salariés soient conscients de ce qui se joue au fond sur ce dossier qui concerne les retraites, mais qui va bien au-delà. La réforme proposée ne répond ni aux questions d'emploi, en particulier d'emploi des jeunes et des seniors, ni à la résorption des inégalités hommes-femmes, ni à la reconnaissance de la pénibilité. Et en plus, elle renvoie aux futures générations l'incertitude de la pérennité des régimes de retraite solidaires et par répartition.
Cette réforme, loin de répondre à l'enjeu de société qui est celui de l'avenir de nos retraites, est porteuse de recul social pour la quasi-totalité des salariés du privé, du public et des régimes sociaux. Juste un élément pour comprendre. En 2008, les systèmes de retraite étaient déficitaires de 5,8 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Mais ce qu'on oublie de nous dire, c'est que sur la même période, l'année 2008, c'est 80 milliards d'euros qui ont été distribués par les sociétés françaises aux actionnaires. Vous l'avez compris, on est bien devant un choix de société, toujours plus pour les riches et toujours moins pour nous. Eh bien non, Monsieur Sarkozy, non, Madame Parizeau, nous, on n'est pas d'accord et nous sommes ici, ensemble, pour vous le dire. Nous voulons que chaque salarié ait la garantie de pouvoir prendre sa retraite à 60 ans et que tous ceux qui ont exercé un métier pénible puissent bénéficier de départs anticipés. Nous voulons des emplois stables et durables. Nous voulons des salaires qui nous permettent de vivre dignement. Nous sommes ici parce que nous savons que la mobilisation massive et unitaire est indispensable, tant pour sauvegarder et améliorer nos régimes de retraite que pour s'opposer aux mesures de rigueur que le gouvernement et MEDEF ont décidé d'imposer aux salariés et aux retraités. Nous, salariés, retraités, privés d'emploi, ne sommes pas responsables de la crise et que nous refusons d'en payer les conséquences. Avec cette réforme, on veut nous faire travailler plus longtemps et par conséquent laisser nos enfants plus longtemps au chômage. On veut nous faire gagner moins en retraite et tout ça pour payer la facture de la crise. Eh bien encore une fois, non Monsieur Sarkozy, nous on n'est pas d'accord. Dans une unité syndicale solide que les organisations qui présentent sont déterminées à se battre contre cette réforme. L'intersyndicale a déjà décidé de faire du mardi 12 octobre une nouvelle journée massive de grève et de manifestation pendant les débats au Sénat. Cette journée trouvera toute sa place pour amplifier la mobilisation dans le cas où les parlementaires ne prendraient pas en compte ce qui s'est exprimé aujourd'hui dans la rue, dans cette action, et si le gouvernement restait intransigeant. Le gouvernement porterait l'entière responsabilité des suites que les salariés et les organisations entendent donner au 12 octobre. Quand notre République montre l'or, que le peuple, c'est nous et que c'est à nous de décider. Nous appelons chaque salarié de tout âge, de toute profession, à prendre conscience que c'est de sa mobilisation, de sa détermination que tout va désormais dépendre. Sur les questions d'emploi, de salaire, de retraite, c'est à nous de décider. Ensemble, nous sommes bien plus forts qu'eux. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. I guess
ask if you say so. I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Don't you come back no more. I didn't understand you.